Ce sont 800 sapeurs-pompiers, une dizaine d'avions, des canadairs, des Dash, des hélicoptères bombardiers d'eau de la sécurité civile et des hélicoptères bombardiers d'eau du département du Var qui sont en train de lutter sur ce feu qui est très 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 important. Dans la nuit, avec les forces de l'ordre, nous avons évacué près de 7000 personnes, essentiellement des campings, pour les mettre en sécurité. Sur ces 7000 personnes, il y a seulement une vingtaine de personnes qui ont été légèrement blessées, intoxiquées par les fumées. C'est un feu, je le rappelle, qui est ultra violent, des vitesses de propagation de plus de 5 km/h. C'est-à-dire que le feu a parcouru 5 km en une heure dans le massif naturel des Morts. Ce sont des collines, des avennes, donc très difficile pour les sapeurs-pompiers d'aller chercher le feu au pied des arbres et de se battre.